Quand on arrive à 50 ans, tout d'un coup, on est dans un autre pays. On entre dans un pays inconnu. On n'a plus du tout avec soi le même contact, la même relation. C'est-à-dire que tout se défait, ça a déjà commencé un peu, mais on sent que ça va encore s'accentuer. Et à mesure que les choses se défont, il y a une espèce de grâce qui s'installe. Ça, c'est difficile à comprendre. Et puis alors, on devient vilain alors qu'on était beau. Quand on est beau, on croit qu'on est responsable de sa beauté. On croit que c'est parce qu'on a du soleil à l'intérieur que ça passe dehors. C'est faux. Mais on se croit responsable de sa beauté. Et quand on devient laid, eh ben on s'aperçoit qu'on n'est pas responsable. Alors on est libéré. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, j'aurais pas pu accepter d'être prise comme ça en image depuis... Mon Dieu, depuis 40 ans, même 50, j'aurais absolument pas accepté ça. Mais maintenant, ça m'est égal, je me trouve une gueule de vieux chien, et comme j'aime les chiens, ça me gêne pas. J'aime bien le vieux chien. J'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 20 ans. Pour m'en excuser, je disais toujours que je vivais ma jeunesse et ma vieillesse en même temps. Et qu'il ne me resterait à vivre comme ça que la maturité. On dit qu'on devient vieux quand on commence à ressembler à son père. Les vieux, c'est vieux. Yes, j'étais disant comme j'ai pleuré, je l'ai lu, j'avais un peu mon livre de cheveux. Un livre de cheveux, oui, on voit que vous l'avez vu. Et alors, comme c'est présenté avec des pages, voilà, alors, elles sont un peu racornies. Je l'enregistre comme je veux. Et puis vous mettez des marques, vous mettez des petits papiers. Si vous voulez des trucs, j'ai du mal même. Voilà. Vous mettez du spot. Oui, oui. Et voilà. Je tremble, je colle des choses de trouver, etc. Vous me dites de l'effumance. Je vous dis, faut bien que... Bien sûr. Que vous bougez, oui, que vous soyez actif, que vous ayez une activité, oui, 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 oui. Bien sûr que c'est maladroit. Pour manger, je par exemple, je suis aussi très maladroit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez. Viens maintenant. Putain de merde, appuyez là. Mon père s'accroche. Il s'accroche à la vie. Il refuse de baisser les bras. C'est un guerrier. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire. Dans ses doigts. Ouais. Quand on avance dans le temps, on est rouillé de toutes parts. On a donc tout le temps des douleurs. Et vous connaissez bien l'histoire du type qui se tape sur la tête parce que
Quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit, c'est tellement bon quand ça s'arrête. Et quand on est vieux, on a tout le temps cette occasion de jouissance, puisque on a tellement de douleurs qu'il y en a forcément quelques-unes qui s'arrêtent. On apprend d'ailleurs que quand par hasard on se casse une côte, ça fait tellement mal que toutes les autres s'apaisent. Ou on se dit, ça y est, mon genou est guéri. Merde, quand la côte est réparée, le genou est malade. Mais le genou même malade, il a des moments où il respire. Ah, quel bonheur! C'est un bonheur perpétuel, une cascade de bonheur. Et on les prend, ces bonheurs-là, on les savoure. On ne va pas les laisser passer, on en profite. Aujourd'hui, j'assiste à la vieillesse de mes parents et je suis impuissant à l'embellir. Ce film, je l'ai voulu pour eux, contre eux, tout contre. Pour conjurer l'image d'Épinal que la vieillesse est un naufrage. Mais tu vois, encore là, c'est beau. La vieillesse est humaine. Peut-être n'y a-t-il rien de plus humain. Il y a tout un art à trouver pour cette humanité-là. Elle est la nôtre. Elle le sera tôt ou tard. Il faut mourir avant pour lui échapper. Ouais. Elle nous attend. Allez, bonsoir. Begins this way, do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. By Dylan Thomas. And as an example of courage, of course, and the need to fight on. Donc là, vous êtes en colère face au vieillissement ou To some extent, yes, of course, to some extent. And I don't think I'm alone in that at all. I don't think so. No one wants to go gently into that good night. And I noticed this around me, that we're all hanging on for dear life. My friends and I are almost of one mind. I don't know any older people who are peaceful and resigned. Vous voyez ça comme une tragédie. Oui, oui. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Pas comme une chance. Pas comme une chance. Et je ne connais beaucoup de gens qui regardent la vieillesse comme une chance. Désolé, Manfred, mais je vais te faire mentir.
J'ai rencontré quelques aventuriers de la vieillesse. Ils ne la vivent pas comme un combat désespéré. Je n'ai même pas eu de mal à les trouver. Ils sont plus nombreux qu'on ne croit. Ils existent, ces vieux sans vieillesse, ces vieux fous, ces vieilles folles, ces vieux amoureux, ces vieux qui jouissent, ces vieux qui s'accomplissent. Combien je regrette mon bras ci-dessus, ma jambe bien faite et le temps perdu. Ils existent, entre horreur et merveille, comme des funambules sur le fil du temps. C'est le bouquet. Quand on approche de la fin, on a une jouissance. C'est ça la vieillesse. Sans cesse, c'est une occasion de victoire sur le désastre. Parce que c'est un désastre, parce que la vie est une horreur. Mais la vieillesse est charmante. Mais c'est jamais tant amusé. Ah, ça c'est sûr. Et puis les livres qui sont mal foutus et mal rangés, et puis la couverture pas rangée, le pantalon machin, voilà. Alors je dois ranger, je dois toujours ranger, j'ai pas le temps. J'ai pas le goût, j'ai pas le temps. Quand on est jeune, on doit accomplir des choses et ne pas en faire d'autres, pour être bien considéré. Quand on est vieux, on s'en fout. La vieillesse est faite pour être folle. J'inverse un peu les valeurs, mais de plus en plus, je suis sûre que la vieillesse est faite pour être folle. Je ne suis plus jugée, et même si je suis jugée, je m'en fous. Je suis seule, je suis libre, je vais comme je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. La liberté, je crois, c'est ça, surtout. La liberté que donne la retraite. Liberté matérielle, liberté dans le temps, liberté aussi dans l'esprit. Parce que la liberté, ça se conquiert. Si je dois devenir centenaire, j'accepterai de me considérer comme vieux lorsque deux choses ne m'attireront plus, deux choses qui sont apprendre et aimer. En fait, vous avez arrêté d'enseigner pour apprendre. Pour apprendre, oui. J'ai toujours appris, j'ai toujours eu la passion d'apprendre pour transmettre, mais la passion d'apprendre m'est restée. Et bon, j'ai toujours un dictionnaire sous la main, une encyclopédie, internet, etc. Et je n'arrête pas d'apprendre avec ravissement. Pour moi, c'est un des grands plaisirs de la vieillesse, avoir le temps d'apprendre, de découvrir, de s'émerveiller. Ah, voilà. Et c'est comme ça que je suis toujours fourré dans les bouquins parce que à chaque instant, c'est un mot, une expression. Alors voilà, par exemple, ça, ce sont les notes que j'ai prises depuis quelques années en écoutant la radio ou la télévision. Chaque fois que quelque chose m'intéresse, tout ce qui m'interpelle quelque part, tout ce qui me met en colère. Il y a pas mal de choses qui me mettent en colère. Ça conserve la colère. Ce que j'appellerais la saine colère, oui, je crois que ça conserve. Ça maintient jeune. Je crois qu'on cesse d'être jeune quand on n'est plus un révolté. Il y en a qui cessent très tôt. Moi, je crois que je donnerai encore des coups de pied dans mon cercueil sur moi. J'ai fait mes études secondaires à partir de 75 ans. J'ai voulu connaître Tolstoï et Virginia Woolf, enfin toute la littérature la plus considérée du monde entier. Et je suis encore là-dedans. Vous n'avez pas eu le temps de les lire avant? Vous n'avez pas pris le temps? Ça ne m'intéressait pas. Quand j'étais ado, au lycée, normalement on aurait dû lire la littérature classique pour faire des devoirs en français. Et bien pour ma mère, ça, c'était du temps perdu.
Et donc, les livres de mes cousins, Une vie de Maupassant, elle m'a dit, si tu ramènes des livres comme ça, je les brûle dans la journée même. Elle m'a fait chier. Et donc, en dehors du dictionnaire Larousse, en dehors des livres scolaires de mathématiques, de sciences, de physique, etc., je n'avais droit à aucune lecture. C'est inépuisable. C'est pour une fin de vie. Une source inépuisable de tout. Alors, la lecture, elle est le trait d'union entre vous et vous. Puisque vous avez un vous habituel et un vous éternel. En 1479, oui. Le jour de la Toussaint, au moment où cette histoire commença. Lentement, au moment où elle commença, quand ça commence, qu'est-ce qu'on fait? On se jette pas dessus. Au moment où cette histoire commença, voilà, enchaîné. Les vêpres finissaient à la cathédrale de Tours. Et l'obscurité la plus profonde régnait dans certaines parties de cette belle église dont les deux tours n'étaient pas encore achevées. Il est bien. Son père, l'empereur François, avait fait une profonde impression sur son cœur. Elle le perdit alors qu'elle avait à peine 7 ans. L'empereur partit pour Innsbruck. Non. Il partit pour telle chose et puis il fait quoi? L'empereur partit pour Innsbruck. Non. L'empereur partit pour Innsbruck. Non. Je ne veux pas vous faire passer un examen. Hein. Ah non, moi c'était juste... Non. Mais vous ne saisissez pas ce dont je parle. J'ai toujours eu pour les œuvres de la vieillesse un goût profond, une attirance. Elles sont habitées par un état de grâce, une liberté souveraine. Elles s'ouvrent sur l'infini, sur des espaces vastes comme l'avenir. Monsieur Reynaud, vous appréciez plus maintenant La Fontaine que lorsque vous étiez jeune? Bien sûr. Oui, vous l'appréciez davantage. Bien sûr, réfléchi. Oui. Vous savez, vous voyez par exemple, des cas comme La Fontaine, il est mort à 80 ans, c'était très âgé. Montaigne est mort à 60 et quelques années, vous voyez, c'était, disons, maximum. Hokusai écrivait, jusqu'à l'âge de 70 ans, tout ce que j'ai dessiné n'avait pas de grande valeur. Ce n'est qu'à l'âge de 73 ans que j'ai commencé un peu à comprendre la croissance des plantes et des arbres et la structure des oiseaux, des animaux, des insectes et des poissons. À l'âge de 86 ans, j'aurai fait encore plus de progrès. Et à 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, j'aurai décidément atteint un niveau merveilleux. Et à 110 ans, chaque point, chaque ligne que je tracerai vibrera de vie. Et ce qui est fantastique quand on est vieux, c'est que toutes ces choses qui ont été faites insensiblement, elles prennent une place, elles s'accomplissent. Je peux dire que j'ai 20 vies derrière moi. Des vies d'enfant, des vies de femme, de mère, de tout ce que vous voudrez. Parce que j'ai fait de tout, de femme d'affaires, de journalisme, de théâtre. Ce que je suis, c'est ce que tous les gens ont fait de moi, tous les gens que j'ai rencontrés, depuis mes éducateurs, mes pères et mères, qui étaient des gens extraordinaires tous les deux, de bonté, de puissance, d'indépendance, de liberté, de mœurs, enfin, des gens extraordinaires. J'ai eu une chance peu commune. Et quelle est cette chance? Ah ben celle de vivre justement, pour accomplir. Pour accomplir quoi? Pour achever. Oui. C'est-à-dire, par exemple, cette décision de ne plus vouloir avoir d'emploi du temps, t'es en rapport avec ça. Jamais plus je me laisserai enfermer dans un emploi du temps
Pour le reste du temps qui me reste à vivre, je veux être libre chaque jour que Dieu fait, de passer mon temps et ma vie à ce qui me paraîtra valoir le coup, quelque chose comme ça. Mais on fabrique de l'humanité. Donc comment est-ce qu'on peut fabriquer de l'humanité? Ça se fabrique, un humain. Ça se plante, ça se fait pousser, ça s'éduque, on les fait croître, les petits humains. Et puis le rôle d'un humain, c'est se faire croître et faire croître sa société toute sa vie. Ce temps maintenant et être ici, être dans le monde, la vie des autres, non pas seulement sa vie, mais la vie des autres, et les joies des autres, mais aussi la souffrance des autres. C'est la plus grande réalisation que j'ai fait de vieillir. It's a gift. C'est un cadeau. Oui. Oui, j'ai échappé à la prison de moi-même. Non pas totalement, mais un peu. Et ça m'a aidé. À ton avis, est-ce que c'est le but de l'existence que de finir par découvrir que ce sont les autres qui comptent et pas soi-même? Et pourquoi pas? Retrouvé en chômage en 85 et bon, comme j'avais 57 ans, je n'avais plus à chercher de travail. Je touchais donc mes indemnités jusqu'à 65 ans où la retraite commençait. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors bon, je me dis, je vais faire la chose la plus bête du monde. Je vais inviter les copains à un dîner tous les mois et je leur demanderai 50 francs. À l'époque, c'était des francs, 50 francs, j'avais de quoi leur faire un bon dîner. Alors, le premier dîner, on s'est retrouvés à 8, et puis 3 mois après, on était 35 à table. J'ai une très grande pièce chez moi, donc il y avait de la table d'une fenêtre à l'autre. Et puis, parmi les 35, il y avait des gens très intéressants, qui avaient plein de savoir, qui savaient des choses. Et donc, petit à petit, je leur ai dit, bah, écoutez, il faudrait organiser des soirées à thème. Alors, on a organisé des soirées à thème, et puis petit à petit, c'est devenu un dîner-conférence. Donc là, ça a très très bien marché avec les sujets divers qui étaient dans la société, enfin les interrogations de la société. Et puis un jour, on a été tellement de monde qu'il a fallu que je trouve une salle que j'ai trouvée. Et là, on a été jusqu'à 80 ou 85. Voilà. Je ne conçois pas faire les choses seule et j'ai toujours un très grand plaisir avec les autres. Rien ne me fait plus plaisir que d'entendre quelqu'un me dire: tu sais, j'avais peur de la vieillesse, mais maintenant, comme je te connais, j'ai plus peur de la vieillesse. Et il faut que tu continues longtemps parce qu'on te regarde. Et quand on vous regarde, on rectifie la position. Le regard des autres me force à me tenir droite. Donc voilà pourquoi je vis en collectif. J'ai toujours vécu collectivement. À ce point que dans ma vieillesse et dans ma mort, j'ai donné mon corps à la science et après je serai enterrée en fosse commune. C'est chez moi une nécessité d'être avec les autres. Mais pour votre famille, le fait que vous soyez en fosse commune, c'est... Ah ben, ils sont furieux, ils sont pas contents, mais j'aurais dit, mes enfants, étant donné que vous n'irez jamais au cimetière, je vois pas qu'est-ce que ça peut vous faire que je sois en fosse commune. Vous prierez pour l'humanité si vous arrive de prier. C'est aussi intelligent de prier pour sa propre mère ou son propre père. Le cimetière ne m'inspire pas. Alors, bon, bah, la fosse commune, ça sera encore un petit goût d'humanité après la mort. Mais j'ai toujours pensé que la mort devait être une volupté. Mmh. Ça, toujours.
Je persiste à le penser. Le moment même doit être la plus grande des voluptés humaines. J'en suis sûre. Mais à choisir, je choisirai l'explosion. L'explosion. C'est-à-dire ? Ben, me faire péter, là, comme le font les kamikazes, ça ne me déplairait pas du tout. Oh, tu trouves ça écœurant ? Oui. Ah oui ? Oui, oui. Tu aimes le suicide. J'aime le suicide, oui. C'est une horreur. Oui. Eh non ! Disposer de soi comme ça, c'est si beau. Je comprends pas, toi qui aimes la vie, qui est sacrée. Pourquoi tu veux la supprimer? Ça me... C'est peut-être contradictoire, là. Ah ouais. C'est malsain, en plus. Pardon. Vous n'arrivez pas à comprendre que la vie... Ah non, plus, non, là, je peux pas comprendre. Non. Avec la force de vie qu'elle a, la joie de vivre qu'elle a, toujours en train de chercher... Mais vivre et mourir, c'est pareil. Comme tu dis, la vieille, elle voulait pas mourir, elle voulait toujours apprendre. Oui. C'est bien ça, le... Toujours, elle apprenait. Toujours, elle apprenait, voilà. Oui. Et ça pourrait peut-être étonner, mais je pense que vraiment la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, ou au moins une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie, eh bien, c'est d'avoir un cancer. C'est d'avoir un cancer parce que pendant des années et des années, j'ai traîné des déprimes, la vie me semblait ne pas avoir de sens. Pour moi, ce n'était qu'un acheminement vers la mort. Enfin, vraiment, c'était une vision très, très optimiste de la chose. Et puis, j'ai eu un cancer, et cette mort que je fantasmais, j'ai fantasmé comme ça pendant des dizaines d'années, et bien, d'un seul coup, elle était là, elle était à la porte, elle pouvait être pour demain. Et comme je suis un esprit très contrariant, moi qui me serais volontiers suicidé quelques années avant, voire quelques mois avant, j'ai dit « Comment, cancer, tu ne m'auras pas mon bonhomme, et à nous deux, et on va voir ce qu'on va voir. » Et puis aussi, j'ai eu la chance, il faut le dire, d'avoir un cancer curable, et qui n'a pas laissé de traces. N'empêche que pendant un certain temps, j'étais abreuvé de produits radioactifs, enfermé dans une chambre, fenêtre fermée, et un jour, l'infirmière est entrée en disant « Vous pouvez ouvrir la fenêtre. » Je me suis précipité pour ouvrir la fenêtre et j'ai respiré l'air du dehors. Et cet air du dehors avait une saveur, une qualité. Je me suis rendu compte que cet acte automatique que je faisais, je ne sais pas combien de fois par minute, ça pouvait être une source de jouissance. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que... Chaque petite chose comme ça, qui peut être une source de jouissance, il faut la prendre, il ne faut pas la laisser passer. Il faut penser aux fleurs, il faut penser aux oiseaux, il faut penser au bleu du ciel, il faut penser à toutes ces petites choses qui peuvent nous donner de la joie, et les saisir à bras le corps. Et c'est à partir de ce jour-là que ma vision sur le monde a changé. Une sorte d'opération de la cataracte de l'esprit, si on peut dire. La révolution pour moi, c'est changer le regard sur l'autre, c'est changer le regard. Et casser cette espèce de spirale de la violence qu'on voit vivre partout. C'est le moment de l'utopie parce qu'on a le temps. On a le temps de lire, on a le temps de regarder, on a le temps de parler, on a le temps de dormir, on a le temps, vraiment, c'est un moment privilégié d'être vieux. Parce que le corps est quand même moins rapide, on va ouvrir des perspectives sur vivre plus lentement. Consommer moins. Alors, je crois qu'il est très sage d'apprendre à se contenter de ce qu'on a. Même si j'étais mille fois plus riche que je suis, j'achèterais pas plus parce que ça ne m'intéresse pas. Quand je voyage, 77 ans, je campe avec un petit matelas qui est 1m20, qui est deux fois trop grand pour nous deux. Et on est parfaitement heureux comme ça. S'installer où on veut. J'adore par exemple camper au sommet des cols, c'est formidable ça. Et dans des lieux impossibles.
sauvage de préférence, au contact avec la nature. On ouvre la tente et on aperçoit un chevreuil qui passe. Il n'y a pas un hôtel qui peut vous donner ça. Pas un seul. Et ça, c'est dérisoire comme prix. C'est dérisoire. Et j'espère continuer encore comme ça longtemps. Et j'ai la chance d'avoir une amie qui partage les mêmes options. Il nous arrivait quelquefois de subir des orages mémoriaux, si je puis dire. Tout flottait. Bon, on prenait ça en riant comme des fous, et puis c'était tout. Et puis bon, c'est chouette, ça, c'est vivre, ça. Et j'aimerais encore continuer comme ça. Arrivé à un certain âge, je pense qu'on ne vit plus dans l'artifice, on ne vit plus dans l'artificiel. On ne peut plus essayer de baiser l'autre, vous voyez, je parle le mot, enfin de, oui, de le tromper. On vit dans une grande authenticité, bah oui, on est ce qu'on est, bah oui, le corps est un peu déchu, bah oui, la peau est flasque, bah oui, les seins flanchent, bah oui, la peau du ventre, elle a vu ce qu'elle a vu. Mais je pense qu'avec tout cela, on peut faire un humain tout à fait délectable. Et que ce qui est très agréable, c'est que la sexualité a changé de style. Nous ne sommes plus dans la performance, nous ne sommes plus dans la concurrence, nous ne sommes plus dans... Je pense que c'est une grande authenticité de la sexualité, une grande vérité de la sexualité. Et que c'est la sexualité des vieux, c'est quelque chose d'authentique, de vrai, de communication. Et il est dommage que ça soit un sujet tabou. Comme j'étais en pleine activité sexuelle, à 75 ans, j'avais déjà eu un quadruple pontage cardiaque un petit peu avant, mais ça n'arrête pas l'activité sexuelle. Le cancer de la prostate, j'en ai voulu à mort à mon urologue chirurgien, qui me dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant, ça je me dis je m'en fous. Qui me dit que je pourrais plus éjaculer, je lui réponds que je m'en fous. Mais il me dit pas que je pourrais plus bander. Voilà ce qu'il oublie de me dire. Et bien c'est que je fréquentais à ce moment-là une malvoyante. Ça fait un amour pour une malvoyante, quelle idée. Et quand je suis devenu impuissant, elle m'a jeté. Voilà. Donc, j'étais impuissant, je ne pouvais plus bander. Et la femme qui me paraissait parfaitement adéquate pour le reste de mon temps à vivre, me jette. Et elle prend un nouvel amant. Elle vous a jeté à cause de ça. C'est la seule fois où je me suis senti jeté comme un malpropre. Et donc, c'est ce que j'ai écrit, jamais plus je ne ferai d'amour et jamais plus je ne m'endormirai avec une femme dans mes bras. Donc, ça me paraissait pas convenable de relancer des ex. Sauf une qui me collait depuis plus de 30 ans. Mais d'en coller, je mets rien de péjoratif. Je lui avais fait un enfant. Vous avez refusé de le reconnaître. Bon, je lui avais dit, on n'a pas fait de projet d'enfant ensemble. Tu sais que je suis marié, que j'ai une famille, que j'ai 3 enfants. Si tu m'avais dit « fais-moi un enfant », je t'aurais répondu « non ». Donc on a été en froid. Et quand j'étais impuissant, on est allé marcher ensemble au bois de Vincennes, on faisait ça de temps en temps. Et je lui dis ce que j'ai écrit, « je ne vais plus jamais pouvoir faire l'amour, je ne vais plus jamais pouvoir m'endormir avec une femme, mais peut-être que toi, tu accepterais de venir dormir avec moi une dernière fois. » Et elle s'appelle Marie-Isabelle. Elle me dit, vendredi prochain, c'est la Sainte Isabelle, je viens dormir avec toi. C'est extraordinaire. J'en ai profité pour l'inviter dans le meilleur restaurant de Chancel, c'est pas ici. Et après, on est rentré. Et donc, notre projet commun, c'est qu'elle consentait à ce qu'on s'endorme ensemble. Puis c'est tout. Elle voulait bien avoir cette gentillesse.
Au milieu de la nuit, je l'ai caressée et elle a joui. C'était un grand plaisir de passer, de faire l'amour uniquement avec les caresses manuelles ou buccales. Voilà pourquoi mon vécu de l'impuissance s'est transformé radicalement en un autre art de vivre sa sexualité, qui l'a satisfait et qui me satisfait. Être impuissant, cela n'évacue pas toute la richesse des caresses et de la tendresse. Et si on sait se souvenir que l'on a deux mains et deux lèvres, eh bien on peut faire des merveilles, si je puis dire. Quand on est jeune, on peut dire que, aussi altruiste qu'on soit, malgré tout, c'est surtout après son propre plaisir et son propre orgasme que l'on court. Alors que lorsque l'on est, je dirais, presque débarrassé de cette obsession de l'orgasme, eh bien, donner du plaisir à l'autre devient quelque chose de beaucoup plus facile, puisque ce plaisir que l'on donne à l'autre, on le partage. On est plus libre, étant vieux, de mieux vivre l'amour que lorsqu'on est jeune. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Et le bonheur qu'on en retire, je crois personnellement, est au moins aussi fort, et même certainement plus fort. Moi, je sais que si on me donne à choisir entre un moment d'infinie tendresse et un moment d'amour physique aussi intense soit-il, je suis incapable de choisir, parce que l'un et l'autre, pour moi, sont aussi beaux, aussi riches, aussi intenses, aussi puissants que l'un que l'autre. Donc la vieillesse ouvre les portes encore. Des choses merveilleuses. C'est les amours au mois de janvier, comme tous les amours, c'est pas facile. Et bien entendu, je me suis encore surprise à attendre le téléphone une après-midi tout entière parce qu'elle ne me téléphonait pas. Je dis elle parce qu'il est évident aussi qu'avec le pourcentage de femmes et d'hommes par rapport aux hommes, les femmes ont intérêt à explorer un terrain que pour beaucoup elles n'ont pas connu, c'est-à-dire qu'un terrain féminin. Puisqu'on a le bonheur d'avoir presque 10 ans d'écart d'espérance de vie par rapport aux hommes, je trouve que c'est un moment à nous. Parce qu'on me dit la maison des Baba Yaga à Montreuil, il n'y aura pas d'hommes. Il n'y aura pas d'hommes, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans hommes? Alors en riant, je dis, écoutez, ils sont morts. Il faut savoir qu'à 75 ans, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes. À 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes. Mais le désir, la pulsion vers l'autre est de l'ordre de la déraison. C'est amusant en même temps, on prend quand même un peu de distance, on en pleure moins, on en rit un peu. Est-ce qu'on est moins jaloux qu'avant? Est-ce qu'on est moins jaloux? Ça se guérit pas, ça. Oh si, quand même, on n'a plus de raison. De temps en temps, surtout que moi, mes amours, il y a une très grosse différence entre elle et moi, il y a 26 ans de différence. Je rouspétais après les vieux barbants qui prenaient les tendrons, et bien me voilà dans la même perspective. Donc, elle a 50 ans, j'en ai 76. C'est scandaleux, bien sûr. C'est toujours pareil, elle est encore très, très mignonne. Par exemple, je n'ose pas me mettre complètement à poil, vous voyez. Quand je la vois avec des amis de son âge, je ne me sens pas en position de force. Donc, quelque part, doit y avoir aussi une espèce de désir de pouvoir sur l'autre. Ça me pose des questions. Thank you.
oui, oh mon chéri, merci pour hier soir. Oui, oui, je suis bien rentrée, très très bien. Alors, les amours sont ce que sont les amours, mouvants, merveilleux, décevants, à suivre, on est dans l'angoisse, on est dans le bonheur, on est... rien n'est plus multiple que l'amour. Les miennes en ce moment ne vont pas très bien parce que, est-ce la différence d'âge, je ne le crois pas, mais comme j'ai toujours aimé les caractères forts et les personnalités, il est évident que j'aime les gens pittoresques et que le pittoresque réserve des surprises au quotidien. Donc mes amours ne vont pas très bien en ce moment et je pense que je vais me payer un chagrin d'amour. Et je trouve qu'à 76 ans, c'est un luxe. Et c'est peut-être moins dramatique. L'alarme est au coin de l'œil et le rire est au coin du bec. Parce que, bah oui, on a quand même une espèce d'ironie vis-à-vis de soi en se disant « Allez, vieille bête, t'as encore tenté ta chance. » Je n'ai pas la fascination de la jeunesse. Bien sûr, les femmes jeunes et belles, je les trouve superbes, mais esthétiquement superbes, je n'ai pas de désir pour elles. Les jeunes hommes non plus. Je n'userai pas de la chirurgie esthétique. Alors quelquefois, un bref instant, en regardant dans la glace, je me dis « Ah oui, j'aurais un petit peu de sous. » Je me ferais refaire les paupières ou je me referais faire le cou. Puis après, je me dis « Vieille bête, t'as avantage plutôt à être intelligente, à rester jeune dans ta vie, dans ta vision des choses. » Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux aujourd'hui, pas demain ? C'est clair que j'aimerais partager plus de choses avec Marie-Isabelle. C'est ça qui peut m'arriver de mieux. Quand je suis fâchée, elle me dit, comme elle a fait au mois d'août, c'est 8 jours, elle ne veut pas venir courir la Bretagne avec moi. Et ce qui l'a épatée, c'est qu'elle avait l'impression que je lui en voulais énormément. Et à son invitation, j'ai répondu « Je viens en courant ». Alors là, ça lui en a bouché à quoi que je vienne en courant. Elle m'avait écrit le 31 juillet et l'invitation, c'était pour le 2 août. J'avais à peine le temps de prendre un billet de train. Donc on peut courir encore à 80 ans. Courir de cette façon-là, ça a été merveilleux. Ça a été 8 jours au paradis. Bah, 8 jours en 2 ans, c'est pas beaucoup. Voilà la lettre de ce matin. Je suis venu au rendez-vous. J'ai fait plusieurs allées et venues en vain. Je dois me rendre à l'évidence, tu n'es pas là. J'avais apporté des écrits, etc. Je remballe donc toutes mes marchandises. J'essaie de trouver une boîte aux lettres dans le coin pour me mettre ce petit mot. Et moi, je lui avais écrit juste avant. Mais je lui écris tellement que je ne vais pas tomber dessus. Je pense surtout qu'on a vécu le meilleur pendant 2 ans. Et que ma foi, après tout, on pourrait tourner la page. J'ai l'impression de dire le plus haut de ma vie sentimentale, c'est ces 2 dernières années, de toute ma vie. Or, parce que je trouve magique, étant donné que j'étais devenu un handicapé sexuel, de partager tant de plaisir. Et donc je viens de lui réécrire ce matin parce que, bon, le fait qu'elle soit allée à mon rendez-vous, je comprends pas. Ça veut dire que ou son téléphone déconne, ou elle n'a pas consulté sa messagerie, ou quelqu'un qui était chez elle a foutu le bordel et a effacé mon message. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais après tout,
suis encore vivant quand d'autres sont déjà morts. Je ne peux pas me plaindre. Ce qui est chiant, c'est que je n'ai plus qu'elle. Ce qui est chiant, c'est que je n'ai plus qu'elle. Et si ça, ça se casse la gueule, je suis à nouveau devant un vide. C'est à peu près ça. Chaque semaine, il y a un jour où mon ami vient me voir. Ma femme sort beaucoup. Bon, elle choisit en plus ce jour-là. Et si elle rentre un peu plus tôt qu'il était prévu et qu'elles se croisent toutes les deux, cela se passe de la façon la plus décontractée qui soit. Une réflexion de ma femme qui, nous voyant passer, mon ami et moi, nous dit « Quel beau couple vous faites !» Quel éloge de la part de la conjointe. Ma femme sait que, je crois qu'elle sait que je ne l'abandonnerai jamais. Elle sait quelque part qu'elle est quand même la femme la plus importante de ma vie, quoi qu'il en soit. Et je sais aussi que la plus belle photo que j'ai d'elle, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est cet ami qui était son ami, qui a disparu depuis. Il était aussi mon ami. Et je lui étais redevable de rendre ma femme heureuse. Et c'est à ce double titre de collègue, d'ami, que j'ai regretté sa disparition, parce que ça l'a créé deux deuils. Je ne l'ai toujours pas oublié. Elle se trouve à 80 ans avec, dans sa vie, la rencontre d'un ami de jeunesse qu'elle avait remarqué, pour lequel elle avait un penchant, et qui était un ami de l'homme qu'elle a épousé. Elle est veuve depuis pas mal d'années, et elle retrouve ce compagnon de ses 18 ans, et elle en tombe amoureuse. Son fils, mon ami, me raconte ça, il me dit « Alors, elle est folle !» Mais je lui dis « Oui, mais que veux-tu ?» On ne sait pas. Le temps passe, elle se marie à 82 ou 3 ans. Quand elle revient de leur voyage de noces, le fils était un petit peu gêné. Et la mère, pas du tout. Et il voit bien qu'elle est radieuse. Et alors elle dit à son fils, eh bien, mon ami, tu me crois, si tu veux. Ce n'était pas un mariage blanc. Il n'y a rien à ajouter. C'est ça aussi, quand on est vieux, on peut dire des choses énormes, on s'en fout. Et en principe, on dit des choses énormes, mais la chose énorme, elle est pensée par beaucoup de gens qui n'osent pas la dire. Et vieillir libre, tu vois, sans entrave familiale, conjugale, c'est pouvoir dire des choses énormes, mais des choses qui sont, des choses vraies. In Finland and had a relationship with a very beautiful and interesting Finnish woman, that at the time I would say to her, you know, I'm really too
too old for this Finnish adventure. Now, I was in my 50s. I said, you know, there are many things here in Finland that I have difficulty with, some of them even that irritate me. I'm too old for it, but now I realize that actually I was too young for it, that I would be able to handle this much better now. Dans une façon presque bouddhiste, on maintenant se réalise que la vie, c'est de suprême importance. J'attache moins d'importance à ce qui est personnel et plus d'importance à exister, à l'existence, à être ici, à la vie. La vie a devenu la suprême valeur. Je trouve que la vieillesse a ceci de très agréable, c'est que on est un peu dans le début de l'éternité. Le passé, il est ce qu'il est, on s'en fout. Tandis que le présent, il est en plénitude, parce qu'on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps, tu vois. Et on a déjà une idée de l'éternité. Ça vous donne une espèce de dynamisme statique. Il faut que tu fasses des choses, tu es plein de projets. Mais en même temps, tu es dans tu sais, la mer, l'espace d'une demi-heure, elle est étale. Et nous avons trouvé dans la vieillesse cette période étale qui précède l'éternité. Alors on fait les choses parce que le temps est proche et puis quand on a toute sa vie fait des choses, on fait encore des choses. Mais si on les fait pas, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que la dernière chose? Finalement, c'est la mort, la dernière chose. Mais en attendant, on vit. En attendant, on peut peut-être avoir des projets d'avenir, même s'ils se raccourcissent. Moi, je suis pas du tout dans la désespérance. J'ai l'espérance chevillée au corps, l'espérance de la vie. C'est vraiment utopique, c'est pas raisonnable, mais je ne vis pas dans le raisonnable. J'ai dit au début que je vivais dans la folie, je veux bien être folle. C'est l'apanage des vieux d'être fou. Non. Que la vieillesse soit folle, alors là, je suis pas d'accord du tout. Non, joyeuse, oui. Avec une retombée en enfance d'une certaine nature. On est libre, puisqu'on sait qu'on est foutu, que ça durera pas. Et on est plus réceptif. On est plus compréhensif, et alors on comprend mieux ce que d'habitude on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas. On a une manière de recevoir ce qui est dit tout autre, parce qu'on est totalement disponible. C'est ça la vieillesse. La grande disponibilité. Alors, qui est le premier? Oh, ça c'est André. Bonjour André. Comment vas-tu André? Attends, moi c'est pas vu. Oh, que tu es froid. Oui, j'allais dire. La bise est rafraîchissante. Tout à fait. À pied? À pied. Où est-ce qu'une lumière? Je l'ai comme la truite d'un jeune chien. Allez. Répondez pas tous à la fois, je vous en prie. Ah, il y en a un qui avait répondu oui. Je trouve que tu as un teint comme si tu revenais du soleil. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure en arrivant aussi. C'est...
Et j'ai répondu, c'est du trompe-couillon. Ah bon, tu te mets à fond de teint. Je fais attention à ma tenue, je fais attention à ma coiffure, à mon vêtement. Je suis une vieille coquette, je m'achète tout le temps les vêtements. Je m'en fais encore, je cours encore. Vous faites les soldes, Thérèse? Oh, j'ai fait un peu les soldes, mais pas beaucoup parce que je me suis fait des vêtements. Je me suis fait un vêtement, d'ailleurs, je ne sais même plus quand le mettre, tellement il est habillé. Tout est habillé, voilà. Je ne sais pas comment le mettre parce qu'il est tellement habillé quand j'ai ça que j'ai l'air d'être une. Voilà, avec des soutages, des brandebourgs. Mais quand je mets le nez à la fenêtre, au troisième. Je vois des gens qui sont donc arrivés à Sarcelles il y a 45 ans comme moi, et tous ont un handicap de la marche. Ils boitent, ils ont une canne, ils font des petits pas, ils amènent un pied près de l'autre. Et moi, ça me fait plaisir. Je dis, je ne suis pas comme eux. Je devrais être comme eux. C'est bon, la charité. Ensemble et qu'on a le même âge, on a tous pas loin de 80 ans. Je redoute la compagnie, entre guillemets, des vieux. Parce qu'ils m'accablent, ils me démoralisent. Je dis béatement, naïvement, qu'ils me représentent pour moi ce que je serai plus tard, alors que je le suis déjà. Ce qui est redoutable, mais que je ne veux pas assumer. Quand j'étais impuissant, j'étais prêt à me flinguer, hein. C'était les trois quarts de ma vie qui s'effondraient. Et puis, à partir du moment où j'ai trouvé le moyen de donner du plaisir à ma partenaire sans mon sexe, j'ai voulu affirmer très fort qu'il peut y avoir une vie bonne après l'impuissance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une vie sentimentale, sensuelle et sexuelle, bien que impuissante. Et moi, j'ai découvert très tard une autre manière de vivre mon rapport aux femmes où je n'ai plus que le rôle de donner. Maintenant, il n'y a plus des préliminaires et des rapports sexuels. Je suis toujours dans la caresse qu'elle préfère. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est une belle sexualité. Parce qu'on a toujours l'air de penser que les vieux, ils n'ont plus que des à côté, ou des, comment je te dirais, ou des faire-semblants. Et je n'aurais jamais pensé que le vieillage puisse vous réserver et les plaisirs et les bonheurs. Mais étant donné que moi, j'ai eu de multiples sexualités, effectivement, vous devenez, vous, comme si vous étiez des homosexuels, des homosexuels avec des femmes. Vous êtes lesbien, vous êtes devenu lesbien. Mais ça, je l'écris dans un autre texte. Que je, si elle a un CAP de lesbienne, j'ai l'impression que je le mériterais. Bon, tu iras bien jusqu'au bas quand même. Vous savez pourquoi est-ce que les hommes disent que les femmes sont frigides? Parce qu'ils sont mauvaise langue. C'est pas mal. Cette publicité à la télévision qu'on voit tous les jours. J'ai 55 ans. Ah oui, et j'en parais 10 de moins. J'en parais 10 de ah moins. Ah oui, je trouvais ça ridicule. Je vais pouvoir être amoureuse encore. Ben, c'est à peu près ça, Kevin. Oui, mais c'est à peu près ça. Et que les vieux, ils sont bien quand ils sont des pauvres vieux comme ça. Et s'ils sont des gens qui se redressent et qui vivent et qui aiment et qui baisent et qui bouffent et qui boivent et qui sont heureux et qui inventent, et ben c'est les vieux qui dérangent. J'ai constaté assez souvent que les enfants étaient quelque part assez répressifs par rapport aux vieux, par rapport à leurs amours et par rapport à leur sexualité. C'est pas rare que j'ai assisté à des choses comme ça, au point que je disais sous une forme ironique, maintenant on ne demande plus à une femme « Est-ce que vous habitez chez vos parents ?» mais il est plus sage de lui demander « Est-ce que vous habitez chez vos enfants ?» Parce que la répression peut être aussi sévère de la part des enfants que de la part des parents qui ont de la peine à admettre que leur père, leur mère est une vie d'homme et une vie de femme. Si quelqu'un m'avait dit qu'il baise, mon père et ma mère, j'aurais protesté. C'était inimaginable.
Ils avaient 50 pour ans. Moi. Cependant, mon père était chauffeur de taxi, mais le dimanche, de temps en temps, il nous emmenait à la campagne, pique-niquer quand c'était la belle saison, au coin d'un bois. Et mon père ou ma mère me dit, tu vas faire la sieste dans la voiture, parce que dans les bois, il y a le loup. Ah. Dès que j'étais dans la voiture, je me suis plus occupé de mes parents, je voulais voir le loup. Et il y a des glaces. Donc je me suis dressé pour voir si le loup, il venait. Mais je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu mon père qui s'était endormi à plat ventre sur ma mère. Encore que je me souviens que mes parents avaient au moins 80 et 85 ans et ça devait être leur anniversaire de mariage. Et je me souviens que je leur avais fait un joli petit repas. Et pendant que je débarrassais la table, je préparais le café, j'entendais ma mère dire à mon père « Qu'aurions-nous fait si on ne s'était pas connus ?» Et mon père l'a embrassé. Et quand je suis rentrée à table, quand je suis revenue à table avec le café, je leur ai dit « C'est beau de vous voir maintenant. » Et il m'a dit, alors mon père a dit « Tu sais, j'ai fait l'amour à ta mère. » Je me rappelle encore de la formulation. « J'ai fait l'amour à ta mère tant que j'ai pu. » Tous les jours. Et alors ma mère a pris un air choqué, mais dans le fond un peu contente, parce qu'elle avait été honorée, en disant « Oh, René !» Et je les ai embrassés en leur disant « Vous voyez, vous me faites un très très beau cadeau. Avant de mourir, vous m'avez dit que vous étiez aimé tous les jours. Et ça, c'est un très très beau cadeau. Vous savez, vous vous rendez pas compte du cadeau que vous me faites. » Et on avait été émus tous les trois, je me souviens. Depuis, ils sont morts, mais je me souviens de cette scène. Et je me souviens quand, comme d'un vrai cadeau. Tu te souviens la première fois qu'on s'est vu? Est-ce que tu te souviens? C'était à la Maison Populaire de Montreuil, qui dans ce temps-là faisait les débats intelligents. Et je t'ai vu, et tu as été intervenu, j'avais trouvé que ce que tu disais, c'était intelligent. Et puis après, on s'est rapprochés, on a parlé un petit peu ensemble. Et puis bon, bah, on a parlé, et puis après, t'es venu chez moi. Et puis après. Voilà. Voilà, mais je me souviens comme si c'était d'hier, donc tu vois, mm-hmm. Ça fait quelque chose comme 35 ans. On était jeunes et beaux. Et beaux. Et charmants. Et intelligents, mais ça, on est resté toujours. C'est ça qui est assez chouette. C'est aussi ça ma terreur de vieillir, de devenir, si tu veux, Alzheimer, comme disent mes enfants. Et si tu veux être déficiente de la tête, ça, alors ça me fait très peur, tu vois. Mais le vieux Léoto disait toujours qu'il fallait ferrailler son esprit, donc je m'applique à ferrailler mon esprit. Je crois que un des moments où j'ai le plus perçu le sentiment de la vieillesse, c'était celui-là, le jour où j'ai pris le métro et deux fois dans la même journée, quelqu'un gentiment m'a fait sa place. Je me suis dit, on sent vraiment, vraiment que j'ai l'air vieux à ce point-là pour qu'on m'offre. Moi qui l'avais toujours offert aux autres, tu vois, ça, c'était vraiment dur. C'est le devoir d'accepter la sénescence et les dégradations irréparables, parce que c'est ce qui m'arrive. C'est pas drôle d'être un continent d'urine, de tout ce qu'on veut. Mais ma foi, si on n'y peut rien, il faut faire avec. Et je donne mon acceptation personnelle. Je fais sonner mon réveil toutes les 3 heures, mais comme je m'endors à 2 heures du matin, ça veut dire que je fais sonner à 5 heures, puis ça suffit, parce qu'à 8 heures, je suis réveillé, normalement. Je peux le faire sonner à 8 heures, mais je serai déjà en train de prendre mon petit déjeuner. Et ce qui m'est apparu comme une infirmité monstrueuse, quand ça m'est tombé dessus, maintenant c'est plus rien. Je dors des nuits entières. Je passe des nuits entières sans dormir. Je ne pense pas une minute, quoi que ce soit. Je suis vide. Je n'avais pas autrefois ça. Autrefois, je fais ceci, je fais cela, je vais dire, je vais faire.
Et maintenant, je passe des nuits entières sans dormir. Parce que quand on est vieux, vous savez, la nuit, hein, il y a des raisons de... des douleurs, enfin, pas souvent. Et je ne pense rien du tout. Ça m'arrive, quelquefois, deux, trois nuits consécutives, pas dormir une minute. Et sans penser à rien. Rien du tout. Mais je crois que c'est le fait de l'âge, ça. Cette paix intérieure. C'est souvent une revendication, c'est quand même plus simple que ça, mais c'est souvent un desiderata. On ne nous touche plus, on ne nous embrasse plus, ouais. On ne nous caresse plus. Mais même quand j'ai quelqu'un ou quelqu'une sous la main, j'aime toucher un grain de peau, je suis très sensible à un grain de peau. Moi, ce que je trouve le plus pénible, c'est de dormir seul. Pas, oui, tu aimes dormir avec quelqu'un. Oh, j'adore dormir avec quelqu'un. Ça, c'est la... Moi, j'aime pas trop. Ah bon? Alors que pour moi, c'est la merveille des merveilles. Et comme deux serpents, on dort entrelacés. Et ça, c'est... Lorsque je caresse les yeux fermés et je vois par mes mains, par mes doigts, par le contact que j'ai, je vois le corps de l'ami que je caresse. Et ça, c'est une expérience assez extraordinaire. Je pourrais perdre la vue, je crois, je la garderai comme ça par mes mains. Parce qu'en fait, on redevient à la limite un nourrisson dans le massage, si on veut se laisser aller. Si on est en confiance, et si on veut se laisser aller. Et puis, on peut avoir des frissons dans le massage. Si, par exemple, quelqu'un a des ongles et glisse avec ses ongles, ça peut déclencher des frissons.
très très bien ce que tu me fais, Jean. T'as fait ça toute ta vie. Ça qui pourra m'arriver à la fin de mieux, ça sera de mourir en bonne santé, un beau jour, comme ça. Et si possible, mais là c'est très égoïste parce que ça sera difficile, ce serait très difficile pour l'autre, ça serait de mourir dans les bras de quelqu'un que j'aime. Mais ça c'est très égoïste parce que ça sera très difficile pour l'autre. Voilà ce que. Il pourrait peut-être m'arriver le mieux. Qu'est-ce que c'est bien. Je vous en prie, chère madame. Merci, Jean. Hop là. Tout étourdi. Ah oui. Je suis encore tout étourdi. Normalement, après un massage. Nous avons fait un beau voyage. Voilà. Bien. Et...